Alors moi, je vais vous emmener au cœur de la Bourgogne et vous allez découvrir une belle ville, Autun, qui se bat tous les jours pour maintenir son tissu économique, qui fait des choses remarquables en matière d'énergie renouvelable, qui fait tranquillement, qui continue à le faire, qui fait avec bon sens et qui fait toujours avec une vision collaborative avec l'ensemble de ses habitants. Alors quand j'ai dit qu'Autun était une ville modeste, si vous regardez sur le fronton de l'hôtel de ville, alors Autun c'est une ville gallo-romaine et la devise d'Autun c'est Rome gauloise, sœur et émule de Rome. Ou dit autrement, Autun c'était Rome il y a 2 siècles. Donc ma présentation, je vais vous donner quelques éléments sur Autun et son territoire, un peu d'histoire sur une terre vraiment d'histoire, vous l'avez compris, quelques exemples du grand Autunois, et ensuite on passera une vidéo, parce que là on va voir des vrais gens, et puis on fera un petit clin d'œil aux étudiants de l'école, qui réalisent actuellement, qui ont quasiment fini, une étude sur l'intégration des ENR sur ce territoire. Et puis je terminerai par quelques exemples d'accompagnement qu'on a pu faire sur ce territoire. Le Grand Autunois Morvan, oui bien sûr c'est grand, hein, le Grand Autunois Morvan, c'est 55 communes, moins de 40 000 habitants, Autun c'est 14 000 habitants, c'est un territoire extrêmement rural, la deuxième ville de sa communauté de communes fait moins de 2 000 habitants. Donc vous avez, Épinal, deuxième ville, 2300 habitants. C'est quand même la deuxième communauté de communes de Bourgogne, ce qui vous donne l'image de la rurale de cette région. Excusez-moi. C'est une zone quand même où il y a un peu d'activité économique. Elle est au cœur du Morvan. Il y a un nombre d'entreprises importants. Leur métier de base, c'est le textile, la sous-traitance. Bien sûr, le bois, j'y reviendrai. Et puis des activités, des entreprises que vous connaissez tous ou toutes. C'est des sièges de Guim, il y a encore 1000 personnes. Nexans sur les câbles. Veldeman. Alors Veldeman, c'est eux qui fabriquent et recyclent des lits. 30% des matelas sont recyclés à Autun en France. Il y a aussi de l'économie circulaire. Et puis Tolix, je ne sais pas si vous achetez des sièges en acier, c'est une entreprise qui était en faillite et qui est de nouveau performante. Démographie, comme tous les territoires ruraux, en déclin. Par contre, ce territoire attire encore quelques étrangers et quelques personnes âgées, mais comme tous ces territoires ruraux, ils se battent tous les jours sur leur activité économique. Alors tout à l'heure, je vous disais que c'est un territoire qui faisait beaucoup de choses en matière d'énergie renouvelable, et je vais essayer de vous raconter cette histoire. Alors je vais passer par le deuxième point. On parle beaucoup de réseau de chaleur-bois aujourd'hui. Ben, eux, en 1999, le réseau de chaleur d'Autun, c'était quasiment le premier réseau de chaleur en France en bois, puisqu'ils ont mis une chaudière de 8 MW à cette époque, 20 ans en arrière, bon, bien sûr, il y a beaucoup mieux. Bon, c'était tellement, je parlais de bon sens tout à l'heure, tellement évident, du bois dans le Morvan, il y en a plein. Voilà, ben, dès 1999, ils ont été précurseurs sur leur réseau de chaleur qui fait 4500 équivalents de logements sur 13 000 habitants, ce qui nous donne aussi l'importance de ce réseau. Bien sûr, ils travaillent sur leur patrimoine immobilier. Ils ont lancé une étude en 2011, ils ont un contrat de performance énergétique et ils sont exemplaires sur leur bâtiment. Sur l'éclairage public, ils ont été la première ville de Bourgogne à lancer un PPP et ils ont fait 50% d'économie dès 2007. Ils ne s'intéressent pas simplement à leur patrimoine, ils s'intéressent aussi à l'habitat. L'habitat en matière de rénovation énergétique, c'est un levier essentiel. Ça a été la première plateforme, il y en a beaucoup aujourd'hui, de rénovation énergétique de l'habitat. Et tout à l'heure, je vous indiquerai les clés de leur succès. Elle est opérationnelle depuis 2015, elle a été pensée depuis 2013, et elle a été pensée dans une démarche totalement collaborative.
Il lance une étude de mobilité sur l'ensemble de la zone, on fait un zoom sur la mobilité électrique, mais bien sûr la mobilité c'est aussi un enjeu en matière transition énergétique, et cette étude va leur permettre de connaître les déplacements des gens et d'améliorer les services publics ou autres solutions. Je fais un petit zoom aussi sur la Smart City à l'échelle d'Autun. Ils sont sur des Smart Zones et je vous dirai tout à l'heure ce qu'ils envisagent, c'est totalement concret à l'image de leur territoire. Alors bien sûr, il y a plein de projets aussi d'ENR aujourd'hui. Il y a des fermes solaires qui sont en instruction. Ils ont, comme vous l'avez aussi signalé, des projets de méthanisation. Alors, projet de méthanisation qui, par exemple, a du mal encore à émerger parce qu'il faut qu'ils trouvent un lieu d'acceptation. Le premier lieu n'a pas tout à fait été accepté, donc il faut trouver un consensus, mais ils vont y arriver. L'étude qui a été lancée avec l'école d'architecture, vous voyez, elle a été lancée avant l'étude de potentiel énergétique, mais c'est cette étude d'intégration des ENR qui leur a dit « Tiens, maintenant il faut vraiment que je lance mon étude de potentiel, j'ai une métallisation ici, j'ai des fermes solaires là, vous allez voir que dans les solutions qui sont proposées, il y a du photovoltaïque participatif, donc il y a plein d'idées qui émergent. » Voilà, donc ils vont lancer cette étude de potentiel énergétique. Alors, par contre, si on peut lancer la vidéo, donc la vidéo donc, va vous relater au travers d'un film de témoignage l'étude qui a été réalisée auprès de la population, auprès des élus, auprès des associations, par l'école d'architecture pour l'intégration des ENR dans ce territoire. Un territoire, vous allez voir, où on va passer d'une ancienne mine de charbon, où il y avait une production d'électricité, on va aller au Haut-Folin dans le Morvan. Le Haut-Folin, bah, c'est le vent, hein, c'est le plus haut sommet du Morvan où il y a du vent. Bon, ils ont eu quand même l'intelligence de ne pas proposer une éolienne sur ce site, qui est à quelques kilomètres de Dibracte. Dibracte, qui était l'ancienne capitale gauloise il y a plus de 2000 ans. Aujourd'hui, nous avons accueilli des étudiants de l'École normale supérieure des paysages de Versailles qui interviennent sur notre territoire pour imaginer avec nous ce que sera le paysage du Grand Autunois Morvan à l'échelle de 2050 dans le cadre d'une profonde transformation de l'énergie de notre territoire. On a commencé par parler de la régénération du bocage, ensuite de la microhydraulique et enfin de la question de l'avenir de la forêt. Ce qu'on entend par bocage productif, c'est à la fois permettre la régénération de ce bocage en le laissant pousser et en même temps en le taillant, de sorte à ce que ça puisse devenir aussi un élément pour le bois énergie. Si ce bocage productif devient davantage présent sur ce site, il doit aussi se faire en complément peut-être d'un travail de frange, peut-être d'agroforesterie. Parce qu'il ne faut pas entendre par bocage fermeture du paysage. C'est vrai que nous, au niveau du parc du Morvan, ça va être notre clé d'entrée principale de valoriser ces, par rapport à l'utilisation en plaquettes bocagères, notamment pour réduire la dépendance à la paille, qui du coup fait aussi des économies d'énergie. On n'a plus besoin de transporter des gros volumes de paille. On est à la fois sur une vraie valorisation économique en circuit court, qui a très peu de coûts pour l'agriculture, mais qui par contre représente des énormes coûts d'économie, à la fois financière, à la fois énergétique et à la fois en temps de travail pour l'exploitant qui ne sont vraiment pas négligeables. Aujourd'hui, je pense que le productivisme est derrière nous. On est à une phase descendante où l'agriculteur a pris conscience de l'écologie. Quand on a affaire à des acteurs économiques, ce qu'on va leur présenter, c'est quand même un risque économique qu'ils devront prendre. Parce que demander de replanter des haies, faire des plans de gestion, ça veut dire que quelque part, il y a un agriculteur qui devra investir du temps, de l'argent, pour des revenus qui restent encore à déterminer. C'est soit on arrive à créer une adhésion autour de ce projet-là, soit on va créer une crispation et ça va bloquer. Nous, on livre notre projet, mais l'idée, c'est qu'il puisse être aussi malmené et qu'ensemble, on trouve des questions ou des réponses plus justes.
La dernière fois, lors de l'atelier, on a évoqué Saint-Léger sous Beuvray, qui pourrait peut-être être intéressé en photovoltaïque. Parce qu'on avait évoqué le fait qu'il pourrait y avoir des aides données pour rénover certaines toitures en installant du photovoltaïque. En bâtiments communaux et puis même privés, oui, tout à fait, bien sûr. Oui, tout à fait. La question du village solaire, c'était d'avoir une réflexion vraiment globale à l'échelle de la commune pour faire un peu un inventaire des toitures qui s'y prêterait ou qui s'y prêterait pas, pour voir d'une façon globale le potentiel et les raisonner sur l'ensemble de la commune. La grande difficulté aujourd'hui, c'est le panneau, quoi. Hein. C'est le panneau, et visuellement, et ensuite, alors même si on me dit que c'est mieux qu'avant, mais le recyclage ensuite du panneau. Et puis le photovoltaïque, c'est si on le pose sur des terrains qui sont pas trop en pente, c'est juste des piquets qu'on met, donc on pourrait aussi imaginer que ça vienne occuper sur 10-20 ans des terrains en attente, des terrains pollués. On est bien sur de la reconquête de territoires dégradés, donc là on est aussi sur une plus-value par rapport au paysage et au cadre de vie. Ces moulins qui avant avaient des usages notamment de faire de la farine, d'autre chose, pourraient très bien nous produire du courant, il y en a qui le font d'ailleurs je pense. Mais quand on voit justement tous les problèmes qu'on a liés à la continuité écologique des cours d'eau, hein, où on nous menace de les démolir, ces moulins, alors dans tout ça, il faudrait peut-être, effectivement, c'est toute une question d'équilibre qu'il faudra voir. La forêt vient grappiller en fait des espaces agricoles, donc on parle de fermeture. En fait, le paysage est en train de se transformer, mais pas forcément dans le bon sens. Ce plan paysage, il faut alerter sur les problèmes. On sait qu'il y a un moyen de production qui est tout à fait écologiquement rentable, avec la futaie irrégulière, comme vous l'avez dit. Et les monocultures de Douglas qui viennent à maturité, elles ne doivent pas passer systématiquement par une coupe à blanc. Malheureusement, on voit également dans l'entourage de ces propriétés de Douglas, des bois de feuillus disparaître. Et malheureusement, ces parcelles surplantées de Douglas, parce que le résineux, on sait que c'est un bois qui pousse rapidement, qui va être exploitable rapidement et qui va rapporter autant qu'aujourd'hui. Et notre potentiel de bois énergie, il est en train de disparaître. Même si le Morvan a chauffé Paris pendant des décennies, je ne suis pas sûre que notre Morvan il serait capable de chauffer une ville importante dans quelques années parce qu'il n'y aura plus de bois de chauffage. Et même quand vous avez une coupe à blanc, vous laissez la forêt se redévelopper naturellement, vous avez la forêt qui redevient mélange en feuillus et au bout de quelques temps, vous avez un peuplement qui est très bien. Et du point de vue paysager, ça n'a rien à voir avec des plantations en randonnion qui deviennent quelque chose de très, très opaque, très fermé. Moi, je crois qu'on ne peut pas faire l'économie du débat sur le fait qu'actuellement dans le Morvan, parce qu'on le vit, on a des essences de bois de chauffage qui sont dilapidées sous forme de coupes qui ne sont plus utilisées, y compris pour produire de l'énergie, pour installer effectivement une économie forestière qui repose sur la pression foncière de l'installation des résineux. Et le paysagiste, lui, il essaye de retrouver un peu ce qui peut être l'essence de ce paysage et d'ici 30, 40, 50 ans, vers quoi il devrait tendre pour être véritablement lisible et diversifié. On ne conserve pas. On accompagne une trajectoire. Le paysage, il est forcément en évolution, mais il peut avoir différents types d'évolution. Et nous, on essaye de montrer celle qui pourrait être la meilleure pour le cadre de vie des habitants et la plus cohérente par rapport au paysage qu'on a pu saisir sur ce lieu-là. Vous avez entendu les villageois là, sur l'aspect photovoltaïque participatif. Clairement, enfin, on voit que peut émerger et va émerger, je le crois, ce type de projet et à des échelles très, 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 très fines. L'idée du village qui a son point de production sur le bâtiment qui va bien, c'est exactement ce qu'ils évoquaient. Voilà. La gestion de la ressource. Vraiment, c'est un point important et beaucoup d'idées ont été mises.
micro-hydraulique, les cours d'eau, en fait, ils ont redécouvert que sur ce territoire, il y a des barrages relativement importants, mais il y a plein de micro-hydrauliques possibles, aujourd'hui difficilement exploitables car non rentables, et pourquoi pas demain, comme il a été dit, les remettre en service. Alors je vais terminer en fait, pour aller très vite sur deux sujets sur lesquels on a accompagné le Grand Autunois, enfin un sur lequel on les a accompagnés et un sur lequel ils vont se lancer, c'est la Smart Zone. Bon. Le logement, quand j'indiquais qu'une commune comme Autun, qui est vraiment dans un territoire difficile, d'accès difficile, et pour son économie, c'est pas simple tous les jours. Donc un des enjeux de ce territoire, c'est de proposer une offre de logement digne aux gens. Une offre de logement digne, c'est des logements aussi performants énergétiquement. Et donc la collectivité a pris le taureau par les cordes. Dès 2013, elle s'est lancée dans un programme, enfin, dans un accompagnement d'un programme de rénovation. Quand vous allez à Autun pour travailler, vous n'allez pas chercher un logement collectif, c'est le logement individuel, le pavillon que vous recherchez, il y en a plein. Et donc, ils ont développé une démarche qui a consisté en diagnostiquant le territoire sur cet enjeu. Et en fait, on s'aperçoit que des maisons, vous avez 5, 6, 7, 8 types de maisons. Ils ont déterminé des bouquets de travaux. Ils ont mobilisé la filière des entreprises du bâtiment. Ils ont fait tout un plan de communication. Et ensuite, ils ont créé leur plateforme. Voilà. Et à partir de ces études, ils ont vraiment sensibilisé la population, sensibiliser en leur donnant les moyens de savoir ce qu'ils devaient faire. Et dernier élément aussi, je parlais de collaboratif. Alors c'est plus facile sur une ville comme Autun que sur une grande ville de 100 000 ou 200 000 habitants. Mais l'enjeu de l'habitat, c'est un enjeu collectif. Et ils ont réussi à fédérer l'ensemble des acteurs de l'habitat pour vraiment accompagner cette démarche de rénovation. Et l'ensemble des acteurs de l'habitat sur un territoire comme Autun, eh ben, ils fédèrent les notaires, les agences immobilières, les artisans, bien sûr, autour d'un projet partagé, commun, de pouvoir fournir demain des logements de qualité rénovés. Je vais terminer sur la Smart Zone. Je gagne du temps. La Smart Zone. Cette ville a eu des crédits suite au départ de quelques entreprises de revitalisation de son tissu économique. Voilà. Et donc leur ambition, c'est de faire des zones d'activité. Tout à l'heure, je vous en ai montré, il y en a 6. Smart, bon, intelligente et à la mode rurale. Et autonome en énergie. Ben, smart, ça veut dire... Et autonome en énergie sur tout ce qui est consommation des équipements publics. C'est tout simple. Voilà, j'ai tel équipement public, éclairage, feu signalisation, tel bâtiment sur telle zone. Je fais en sorte que ces équipements soient performants. Alors, sur l'éclairage public, on le voit bien, hein, c'est une télégestion au point, c'est de la LED, enfin, c'est tout un tas de techniques, mais tout à fait connues et faciles à implanter. Je regarde ce que je peux faire en matière de production d'énergie. Vous pouvez mettre une ombrière de parking, vous pouvez mettre du photovoltaïque sur le bâtiment public. Je regarde ce que je peux autoconsommer. Voilà. Et je fais un projet qui va me permettre d'avoir des zones d'activité où j'ai autant de consommation d'équipements publics que de production. J'ai le maximum d'autoconsommation si on met un peu de stockage. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est visible. Hein, les panneaux, vous les verrez. Et je fais une smart zone à l'échelle d'un territoire rural, simple, mais complètement visible. Voilà, donc c'est un territoire vraiment qui agit depuis plus de 15 ans dans ces domaines, qui a la chance d'avoir des ressources qu'il sait utiliser, hein, le bois en étant une particulière, mais la micro-hydraulique aussi, et demain je suis sur la méthanisation.
Alors pour conclure, je n'ai pas parlé de... J'ai pris des propos, mais ils ont été indiqués presque au départ, mais c'est l'ancien président du conseil régional de Bourgogne, un bourguignon bon vivant, qui, pour la sobriété, disait effectivement qu'il fallait passer de l'ébriété énergétique, et en tant que bourguignon, il savait de quoi il parlait, à la sobriété énergétique. Merci.